Allô là tout le monde, c'est Galius, on se retrouve pour cet épisode final en compagnie de Pyrux. Salut Pyrux. Bonjour à toi Galius, bonjour à toutes et à tous. Et oui, on est sur le point d'affronter le, la, maître, maîtresse de la ligue de, sinon j'allais dire non, d'Alola. Et du coup, on est ici parce qu'on sait pas s'il y a une animation qui allait se faire. Du coup, on va avoir directement, alors allez, écoutez, vas-y. On y va. Oh là là, les gars. Enfin, après plusieurs semaines de tournage, on est sur le point de découvrir la fin du jeu. Ah, on remarque que Forbes est parti, hein. On le remarque, bon... Et je pense qu'il faut aller au milieu. Je... Attends, je vais changer de Pokémon de départ, là. Enfin, de départ, en premier. Moi, je vais mettre... Allez, je vais mettre Lunala, tiens. C'est trop bien ici, mais c'est trop cool. C'est beau. Ouais, bah c'est vraiment le fait d'être au sommet, tu vois. Là, ah ouais. Ça a vraiment son sens, ouais. Ah oui, c'est là. Wouah. Et du monte coup, les... Ouais, je monte. C'est bon. C'est tout en haut, en fait, c'est trop stylé. Ouais. C'est beaucoup trop stylé. Ah, c'est la meilleure mise en situation. Ouais, je suis en haut, il a fait une petite animation, mais il n'y a rien qui s'est effacé. J'avance tout juste vers la stèle. Oh, et là, je clique sur la stèle. Ah, je m'asseye. Oh, je me suis assis sur le trône. C'est pas vrai. Ah et oui. Il débarque. Game of Thrones. Ah, ça y est. Est-ce que c'est lui? Il dit toujours rien. Hey, hey man. Ah, oh, pas vas-y, pardon, vas-y. Non, vas-y. Ok, hey man, t'es maintenant maître de la ligue. Félicitations. Ah non, attends, mon petit doigt me dit qu'il te reste encore une personne à affronter. Vas-y, dis-moi que t'es lui. Oh putain, ouais. Qui donc? Bah moi bien sûr, c'est bien pour ça que je suis là. Je te défie dans un ultime combat qui mettra fin à ton tour des îles et qui t'ouvrira les portes du Panthéon. C'est parti mon pote. Putain mais c'est trop bien. C'est trop bien. Allez, pour une fois que ce soit le professeur qui nous a accompagné tout le long. Ouais. C'est tellement cool. Que ce soit pas un gars random, la Diontea, tu vois. Pour moi, Diontea, elle a l'époque comme ça, ça m'a un peu... Oh, la musique. Wouah, oh, mais c'est la musique de Pokémon Rouge et Bleu au début. Poussé. Oh, forme le professeur Pokémon de se battre. Oh putain, sans les lunettes et tout, beaucoup plus stylé. Hein. Ah ouais, c'est la musique qui nous avait mise aussi, là. Je sais plus quand. Bah au début, je crois, je sais plus. Ah, oui, Lugarok. Alors, Lugarok, il est roche. Oh, j'essaye de faire une... Oh. Allez, il met les PDR. Oh, ce gars, ce... Non. Il respecte rien. Attends, c'est Force Z de quoi, déjà, que j'ai? Spectre. Bon, allez, c'est parti, utilise-la. Oh, mince, il a mâchouille. C'est bon, Lunala. Tiens, bon. Direct, hein, par contre. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Noita. Allez, Lunala. Allez. Oh, guerrier. Oh, pardon, c'est bon. C'est violent. Ouais, j'ai peur de ce truc. Bon, on va mettre. Oh, il a ça. Waouh. C'est trop stylé. Allez, ouais, vas-y. C'est trop cool, la musique. Oui, c'est le chaos. Est-ce qu'il va être le même? Je sais pas. Ronflex. Oh, pardon. C'est pas grave, c'est un peu. Oh, mais il est sérieux, PDR, voit arrière, il a pas le temps. Il a non pas... Il a pas le temps. Oh non, clairement, il a pas le temps, le gars. Oh là, je kiffe comment il joue, par contre. Ah, c'est un ouf. Oh là, je kiffe. Allez, je kiffe ça comme ça. Ok. C'est parti. Comment ça fait, ça? La moitié, dis-moi. Oh, même pas. Ça va faire mal. En arrière, mais toujours... Oh, il a cloné, je peux pas me passer. Oh le bâtard. Oh, comme il me déboîte. Oh non. Oh punaise. Oh, il retire. Oh putain, mais il joue. Oh, il a lui. Trop stylé. Oh, je l'ai. Oh, trop stylé ce qu'il a. Faire. Bon, je vais le laisser crever, je pense. On va faire ça. Oh putain, ah, il déconne pas du tout. Wouah. Ah ben voilà, à la hauteur de nos espérances, de nos attentes. Très bien. Ok, bon, c'est pas retire, grave. Regardez. Ouais, t'as vu? Oh, il met lui. Il anticipe tout. Allez, je gèle. Je suis un fou, je gèle. Allez, tu gèles. Non. Non, mais si je switch là,
Donc il a ça, il doit avoir une attaque plante, une attaque spectre. Par contre, s'il fait Volt Switch là, ça commence à être sacrément du lourd. S'il commence à faire Volt Switch, vas-y, fais Volt Switch pour me faire plaisir. Pour voir que t'es. Que t'as... Alors, il abuse pas. Il abuse pas. Ok, Stalactite. Qu'est-ce là, que ça fait ça pense qu'il a. Oh, c'est pas mal. Je vais vous te faire parce que attends. Oh, que deux fois, t'es sérieux. Allez, oh, ça veut dire qu'on a la ligue là, on n'est pas à la cour de récré. Oh, il a résisté. Il a résisté, les gars, c'est pas possible. Ah, il a remis ses lunettes, tiens, pour le combat. Petit détail à ne pas négliger. Parce qu'il voit pas trop les Pokémon en face, en fait, c'est pour ça. C'est quoi qu'il a envoyé là-bas? Ok, tu verras qui il a. Mais je pense qu'on doit pas avoir le même. Bah, je sais pas. Tu... Magnezone. Ah oui, non, je l'ai pas encore celui-là. Non, mais je veux dire un spécial en fait. Entre spécial. Guillemets. Ouais, tu verras. Non, tu verras, tu verras. Star, je sais pas quoi faire là. Spécial. Ouais. Allez, Fantomas, j'ai confiance en toi. Ah, mais c'est cool. Ah ouais, il est beaucoup loin. Donc là, c'est pipi de chat à compter de comparer ça. Non, sérieux, il a juste la méga à la limite. Qui était un petit peu flippante, mais le reste. Ok, il est PDR tout droit, et tu mets les vents arrière, enfin, je sais pas si tu les as mis. Mais... Ah, moi non, il y a pas eu l'occasion. Ça plutôt parce que j'ai pas eu d'utiliser trop, mais. On peut flinch donc il y a moyen. Il refait cyclone. T'as cherché ce qu'il avait fait. Bon, je change. J'ai pas d'attaque vol hein. Mais je pense qu'il me met KO. J'ai pas d'attaque vol. Ah bah oui, c'est normal, je suis bête. J'ai oublié que j'étais glace. Ah, c'est pas facile. J'arrive pas à lui mettre plus que des dégâts que ça. Y'a pas d'attaque vol, on le dit. Ah, il a rien, il a pas d'attaque vol, ok. Il a que deux attaques parce qu'il est toujours la même chose. Il fait bon arrière, c'est clone, bon arrière, c'est clone. Il a guérison, c'est ton troisième attaque, c'est guérison. Enfin, punaise, il a déjà été relou celui-là. D'accord. Ouais, pouvoir lunaire. Combien ça fait? Mais là, il va me faire sacrément mal ce Pokémon. Il va faire mal. Mon avis, il se soigne. Oh! Alors? Ah, là, starter! Voilà, c'est qui toi? Oratoria. Ah, ouais, moi c'est Archiduc. Bon, je veux sa race, ça par contre. C'était du coup qui c'était? Archiduc. Ah, ouais. Il avait le même. Putain. Ah non, moi j'avais archi vu que Tilly l'avait. C'est laquelle? C'est la Spectre ou c'est la Spectre? Bon bah, on essaye de voir ce qu'il donne. Il a pouvoir lunaire. Oh, l'effet. Ça fait mal. Mais il va me tuer là, je pense. Quoique. Ouais, il va me tuer, je pense, avec l'attaque. Oh, le one shot! Oh là là! Shingetsuga! Non, je croyais pas. Je vais faire one shot aussi. Mais... Mon avis va me buter là, donc je vais soigner un Pokémon. Oh. Avec un rappel max. Rappel max. On va faire l'attaque. La Metal War Attack. Attila. La Metal. Je pense qu'on a affaire à Funard, qui n'est pas d'Alola. Funard sécheresse. Ah non, c'est bon. Faut que je ramène nuit, mais. Ouais, c'est lui que je dois me ramener à la vie. C'est ta vie. Cavalerie lourde, l'eau. Celui-là? Qui a cavalerie lourde? Tu l'as eu le gros Pokémon ou pas? Je sais pas qui c'est le gros. Gros en termes de. Non, j'ai pas eu le gros en termes de poids. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ok. Non, j'ai pas eu. Bah, tu m'avais dit avant, t'as dit Renflex, je pense. Eh ouais, j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas grave, j'ai dit son pas guerrier. Ouais. Tu l'as vu d'ailleurs, guerrier? Non. Mais il m'en reste 4 là. Hein. Ah ouais? Ou alors je sais pas, il a. Oh là là les gars, oh là là, l'attaque de ouf! Oh là là!
Oh, elle est trop stylée. Attaque métal. Ah. x4, ça déconne pas. Et du coup, il reste qui? Ah bah il reste le gros tas. Le gros tas. Ah lui il est dur, hein, franchement. Allez. Non, mais c'est close combat. J'aurais pas dû faire attaque Z sur lui, j'aurais dû faire attaque Z après. Et bon. Ouais voilà, après il y a les risques de... Booba contre Ronflex. Ça s'appelle du combat. Ouais ça va. Avec Booba tu peux le faire. Ouais non c'est bon, je prends pas trop. Il est plus lent que moi. Mais par contre il doit être assez... Non, ça va. Ok c'est bon le Ronflex. Mais on a mis KO hein, parce qu'il a tout, hein. Il a que des attaques qui couvrent tout je trouve. Bon, heureusement il a pas Giga Impact. Hein, là, c'est un voyage chelou. Il a un voit rien, mais pourquoi je suis toujours plus rapide? C'est juste ça. Mais voit rien, il s'est tassé là, non? Normalement, il l'a fait plusieurs fois en fait. Elle a fait plusieurs fois? Ouais, mais par contre, à moins que Trompette soit très bon. Fenard. Écoutez, on va envoyer Oratoria, mais on va changer. Et la sentence est irrévocable. Booba est sur le point de clore cette ligue. Booba, qui aurait cru que Booba? Mais Forb il abandonne pas, parce que Forb il a pas 4 attaques sur ce Pokémon, il en a 5, c'est Kérison la 5ème. Et continuera jusqu'à que Ronflex se ramassera un coup critique. Y'a pas de soucis. Booba qui a moins de 4 de vitesse, on peut clairement dire que Booba est très lent. C'est bon. Booba va se prendre un plaquage, est-ce qu'il va se faire Axe? Non. Booba, pas officiellement. Terminé. La ligue. Pokémon. Talala Booba, je te ferai des cas là. Je chasse. Bravo. Bravo. Alors attends, juste ne quitte pas le premier dialogue. Au moins, s'il y a quelque chose qui se lance. Ouais, je quitte pas. Voilà, moi je finis le match. Oh, le sourire de Forb, il est trop stylé le sourire. Genre le petit, on dirait. C'est qui? Avec ce sourire là et ses yeux, on dirait Pierre. Ah ouais? Et là, il enlève son masque. C'est Pierre. Alors, Magnézone. Pas que de mal, mais les gars, PDR vont rien, c'était un bon petit combo. Ouais, j'avoue. J'ai pas pu voir un peu ce qu'il avait Ronflex parce que Booba il l'intimidait. Il a fait quoi? Il a fait que plaquage donc. Enfin, c'est stable, tu vas me dire, c'était la plus forte attaque qu'il pouvait faire. Ouais. Il avait tacle lourd, cavalerie lourde, ouais. Et puis. Il touchait pas mal de choses. Ouais, il touchait les fées. Et puis une autre attaque, je sais plus quoi. En plus, dans le speed, il prend rien donc il faut taper dans le physique. T'as pas de combat, c'est ça? Si, j'ai combat, mais casse-brique ça enlève pas grand chose. Hein. Ouais. Alors, t'as utilisé ton Ekaizer? Ouais, c'est lui que j'utilise là. Ah, ok. Ouais, c'est le lance. Il résiste un peu pas à tout. Enfin, pourquoi tout? Ouais, ça va. Il est assez défensif. Enfin, moi, Mimf, ouais. Et c'est ton dernier Ronflex? Non, c'était qui maintenant? Non, là, je fais Magnézone. Non, il m'en reste encore deux. Magnézone et un autre. Starter. Ah, oui, bah, il te reste au-dessus, t'as pas. Ah, bah, oui, Guerrier. Direct. Lumino canon. Non, c'est pas le plus dur. Enfin, moi en tout cas, tu me diras ce qu'il a parce que moi il m'a fait juste vent air, cyclone et guérison. Ah ouais? Du coup, je sais pas, soit il avait pas d'attaque vol, pourtant j'avais Booba devant, tu vois, donc je pouvais faire. Donc, ouais, ouais. Pas, il avait que retour ou je sais pas quoi. Soit il avait vraiment rien, il avait que des attaques de caca. De placement, ouais. Oh le coup critique. T'es sérieux? Bon, bah moi j'ai pas d'attaque sol vu que j'ai plus mon Bourinos, donc pour Magnézone c'est pas facile. Y'a combat. Ouais, j'ai combat, mais pareil, ça enlève rien. Même pas la moitié. Après, il est pas très bon en défense. Enfin, pas très bon. Il est moins bon en défense physique. Même si je dis ça alors qu'il a résisté à un Flare Blitz. Hein. Eh ouais. Il a résisté ce bâtard. Je crois qu'il a pas mal de PV. Il a une très bonne défense P, je crois. Et Ah ouais? Ouais. Oh, encore un coup critique. Une SP de base. Donc toi, avec ta team que t'as, je pense que le plus safe, c'est les... Ah non, lance-flamme. Ouais, bon. Ça fait... Oh, je l'ai brûlé. Son dragon? Non, Magnézone. Non, mais ton dragon, c'est le plus intéressant, là. Ouais, c'est lui, là, que je mets. Moi, je refais une guérison. Ouais, lui aussi utilise une guérison. Je pense qu'il doit être PV défense hein, le Magnézone. Parce que casse-brique ça fait pas grand chose. Et lance-flamme. Ouais, et puis il reste à bout de feu, c'est ça qui me interpelle. Ouais. Ah ouais, moi je pense que. C'est vrai que c'était bizarre. Lance-flamme c'est pas stab. Ça fait plus de dégâts que casse-brique? Ça fait. Non, un peu. Légèrement moins, mais très légèrement.
Après, lance-flamme, c'est 90 ou 15. 90, je crois. Ouais, casse-brique 75, s'il y a la différence 75. Comme ça. Ouais. Oh, yeah, je l'ai brûlé. C'est bon, ça. Allez, il me fait cage éclair. Bon, normalement... À moins qu'il ait encore une guérison. Dans ce cas-là, ça m'énerverait un peu. Non, c'est bon, il n'y a plus de guérison. Du coup... Lance-flamme, c'est le chaos et il reste plus que le petit dernier. Prends ce qu'il va. Qui n'est pas. T'as encore un chou de vivant? Ouais, ouais. Bon, tous ses PV. Qui n'est autre que. Il a mis les PDR, le Lugarok, toi? Non. Il a pas eu le temps. Lunala, j'ai fait direct l'attaque et. Ouais, guéri aigle. Ah ouais, Lunala. Et on envoie le petit choupi. La petite choupi. Et c'est parti. Pour un gros tonnerre des familles. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Non, il peut même pas avoir close combat. Non, même je suis psy. Non, il peut rien faire. Il a Earthquake, mais c'est tout. Ah oui. Ah enfin, ouais, c'est... Il peut. Il peut? Mais c'est bon, tu vas le tuer. Ah non, éclat de griffe. Ah. Ouf, ça fait mal. Hein. Ouais, on a vu le moveset un peu de guerrier aigle. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est normal voilà. Ça? Ouais, c'est le normal, ouais. Mm. Je me souviens que c'était l'attaque de Mangriff. Enfin, Mangriff, je faisais souvent. Ça m'a fait mal, je pense. Ça m'a fait très mal. Mais là, c'est bon. Deux tonnerres et c'est fini. Vous avez battu Euphorb, le professeur Pokémon. Putain, le professeur, on l'a battu, les gars. Wow. Professeur contre maître de la ligue. Ça, c'est vraiment une première et ils ont bien fait. C'est vrai qu'ils m'ont fait ça. Un professeur jeune et tout qui était un ancien dresseur. Un ancien. Ouais, bah, ancien maître de la ligue. Actuellement, ouais. À cause de nous. Du coup, voilà, le j'ai passé. Le tonnerre fond n'aura donc pas suffi. Au moins, j'ai aucun regret. Ah, ah, ah. Dès que t'as là. C'est une phrase qui est pour un coup. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Nous sommes maîtres de la ligue. Wouhou, Dalola. Magnifique, superbe, j'applaudis des deux mains. Ah bah oui. Je l'ai déjà dit, l'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner les meilleures capacités pour ses Pokémon. Un nouveau maître Pokémon est né. Félicitations. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au Monk Okulani? Oui. Rien n'arrive à la cheville des dresseurs et des Pokémon d'Alola. Et je n'ai qu'un rêve, c'est que le monde entier le sache. Eh bien, grâce à toi, il s'est réalisé, Pyrux, Samurai. Un grand merci à vous deux. C'est vrai que c'est lui qui était en début. Ouais. C'est Neutre, le premier de la liste. Ah, qu'est-ce qui va se passer? C'était un vrai honneur de me mesurer à toi en ce lieu hautement symbolique. Bien, il ne me reste plus qu'à officialiser ta victoire. Je nomme Pyrux, accompagné de ses fidèles partenaires. Le tout premier maître Pokémon de la région d'Alola. Ouais. Il était pas maître en fait, il était juste, on va dire, c'était le gars de par défaut. Il attendait que... qu'il... Voilà, voilà, c'est ça. Waouh, félicitations au tout premier maître d'Alola. Oh, on est le premier maître, c'est trop cool. Ouais, de tout le monde entier, attends, hein, oh. Tout le monde entier. Ultra. Putain, c'est énorme le... Allez, sur la on fin. Irait trop les... Les pouvoirs... Non. Les... ouais, moi... Les Super Nana. Bah, non, si tu vois ça comme ça, moi j'ai plutôt les trucs de Dragon Ball, tu vois. Ah, Dragon Ball? Ouais. Ah, mais Super Nana, ça fait genre, tu sais, ils arrivent comme ça. Fichou. Oui. Je sais Force pas. Ouais, après, oui, forcément. Avengers. Force rouge. Oui, voilà aussi. Waouh, ouais. Wow, c'est stylé. Y'a qui à côté de toi, du coup? Ah, bah non, ils sont tous, pardon. Ils sont tous là, ils font le tour. Ouais, ouais. Attila, Neutra. Et Kaiser, Mimiki, Fantomas. Kaira. Shingetsuga. Oratoria. Fichou, finalement, t'as été utile. Et oui. Et oui, Choupi. Et Booba, celui qui a terminé la ligue. Booba, regarde cette tête de con. Et Sablero, Sablero. Et déception de Kiwi, hein, qui s'est fait tuer. Ah, c'est ça. Ok, bon, on appuie sur A, parce que sinon on va... Jouer, Voilà, ouais, wow, magnifique. Ouais. Magnifique. Ah, ils sont tous là. Ah ouais. Quel superbe entrée en Panthéon, des dresseurs. Félicitations. De même que le soleil baigne la lune de sa douce lumière, tu as porté la douceur et bonheur à tous ceux que tu as croisés durant ton tour des îles. Et en retour, toutes ces rencontres t'ont permis de progresser en tant que dresseur. Tu adores vraiment les Pokémon, hein, ça se sent. Cela explique comment tes partenaires et toi avaient remporté la victoire haut la main. Tu es devenu un véritable exemple d'excellence pour de nombreux dresseurs. Tous se bousculeront au portillon pour t'affronter. J'ai envie de faire ça, d'être justement au portillon. Gloire au premier maître de la ligue Pokémon d'Alola.
célébrant cet heureux jour sous l'œil bienveillant du soleil et de la lune. Ah, 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 énorme. Oh, oui. Oh, oui. C'est quand le buffet. On a faim. Bon, man, c'est pas tout, mais il est temps de retourner à Mêlée-Mêlée. Faisons demi-tour et filons prestement vers Lily. J'ai hâte de voir la tête de Lily quand elle apprendra la bonne nouvelle. Oh, ouais, Lily, ma chérie. Oui. Ouais, dans mon jeu à moi, c'est oui. Tu vois. Moi aussi, c'est ma chérie. Attends, c'est pas un ami, c'est juste ton poteau. Je me suis fait friendzone. Oh, tout orange le temps. Toi, il est quelle couleur? Il est orange le temps aussi. Ouais. Il y a tout le monde, il y a tout le monde là, ils sont tous venus. Ah. Allez, la tête abrutie. Non, ne dis pas ça, Tilly. Ah, écoute, il faut dire ce qu'il a fait un chat. Regarde-moi ça. Oh là là. Ils sont tous là. 4. Elle est où? Elle est où? C'est elle que je veux voir, moi. J'ai tout fait qui, ça Lily? Ouais. Ah, le sourire de l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. Chris. Chris, ah oui, c'est ça. Oh, pas Brunel. Ah, sa femme, ah oui. Mais tu sais que elle, il paraît qu'elle est dans un jeu. Enfin, dans le pas le jeu. Dans ah, jeu donc on quête. Non. Dans le truc où il fallait capturer des orbes ou je sais plus quoi dans ta chambre, tu sais. Je sais pas ce que c'est. C'était une espèce d'objet de capture. C'était un. Ah oui, Pokémon Ranger? Non. Hein? Non, non. Non, c'était le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu? C'était une application que tu pouvais avoir sur le 3DS gratuitement. Ah, le Rumble? Non. Et tu pouvais avoir, en fait, tu pouvais faire des photos, je sais plus quoi, capturer avec des orbes, des trucs, et tu pouvais recevoir des Pokémon spécifiques. Dans la 5ème génération, je crois. Ou la 6ème, XY. Non, non, XY. Il y avait Rumble et l'autre là, non? Bon, je sais pas. Ouais. Mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui l'avènement du tout premier maître d'Alola. Donnons-nous en cœur à joie. Non, on a un cœur joie. J'arrive pas à cette phrase. Jusqu'au bout de la nuit, que la fête commence. Nous, on fait un peu robot, je trouve, en marchant comme ça là. En mode, on dit rien. T'sais. Oh la terre énorme. Il est là. Il est sorti. L'autre il fait du. Ouais, l'autre il fait du. Un gladio. Il fait de la marionnette et de la majorette. Oh là. Elle est là. Oh. Ah, quand même. Le kawaii, il fait son petit show. Non, mais non. Trop bien. Et voilà, photo souvenir. C'est ça. Waouh. Ils font tous leur danse. Ils font tous leur danse. De l'attaque Z, là. Trop bien. Oh. Oh, il a aussi. Ah, lui aussi. Oh, mais c'est trop cool. Le truc spectre, elle est énorme. Ah, elle est trop cool. Ténèbres, il est. Ouais, ténèbres, mais il a fait le truc du spectre, je crois. Ah ouais? Enfin, je crois peut-être c'est la même chose. Ah. Ce petit sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire, du coup? Venez, on va bouffer. Déjà. Venez. En fait, on fait les dialogues, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Oui, voilà. Non, c'est dommage qu'il y ait une musique de fond, qui est un peu. Oui, il y a juste ça qui. Genre, je sais pas, ils auraient pu. Mettre un truc un peu plus festif. Ouais. Enfin, même, en fait. L'a changé, voilà, c'est ça. Ouais. Wow, il fait nuit tout d'un coup. C'est parti, Félix, trop bien, on saute de joie. C'est bientôt nouvel an en plus, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait là? La majorette, toujours. Ouais. Le carré majorette. Ouais. Ah, lui donne un bâton et il s'amuse, hein. Comme un gamin. Ah, c'est trop bien. Ah, vas-y, le petit bisou. Félicitations, Félix. Ou devrais-je t'appeler maître? Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, appelle-moi Coach Jin, ça marche. N'empêche, c'est incroyable, hein, tout le monde qu'il y a. Et dire qu'ils se sont tous réunis en ton honneur, Ophélie. Ça fait plaisir de voir tout le monde s'amuser. Les adultes, les enfants et même les Pokémon. Notre périple n'a pas été de tout repos. Mais quoi qu'il arrive, je ne regrette pas d'être venu à Alola. Je suis vraiment heureuse de t'avoir connu. Non, d'avoir fait tout ce voyage avec toi. Ah, mes doudous. Ophélie, tu crois qu'on pourrait partir en douce et aller faire un tour aux ruines du conflit? Ah, juste toi et moi. Si bébé, on y va. Monsieur Pectorius m'a dit que le pont était réparé. Et la fête alors? Non, je rigole, ce que tu veux. T'inquiète, je suis là pour toi, cousine. Maintenant que t'as terminé le tour des îles, je parie que Tokoriko brûle d'envie de te revoir. Oh, est-ce que nous rencontrerions-nous pas notre très cher ami du début de game? Ce qui serait une belle fin. Dans XY, on a eu un combat avec Az, donc comment ça s'appelle? AZ, ouais. Là, exact. Si on a une petite. Ah, tu crois qu'on va pouvoir le capturer? Peut-être. C'est fort possible. Sentier de Mahalo, pont suspendu.
Ah oui, il est réparé là, c'est bon. Effectivement. Ils ont eu le temps là. Oh, cet endroit, que de souvenirs. Certes, on ne peut pas dire que ce soit les meilleurs souvenirs du monde, mais... Quand j'y pense... Si l'on s'est rencontrés, c'est grâce à Lunala, enfin, je veux dire Doudou. Allez hop, allons-y. Il est trop chaud. J'adore. Et s'il est léger, en fait. Ouais. J'aime beaucoup ce personnage. Bah, c'est mon personnage cruche préféré. Je vais poké. Ah bah oui. Attends, Pyrux. Ruine du conflit. Ah, il y a le truc de Zygarde à droite. Les ruines du conflit. Je me demande encore, pourquoi Tokoriko nous est-il venu en aide ce fameux jour? Est-ce que cela pourrait être lié à Lunala, le Pokémon légendaire d'Alola? Elle rentre comme ça au calme, y'a pas de soucis. Waouh. Ça me rappelle le jour où Polly est devenue doyenne. Ah, j'avoue, ça ressemble. J'espère que Tokoriko, le gardien de l'île, est ici. Je suis un peu nerveuse. Nous aussi. Oui, voilà. Wow. C'est vrai que c'est le même. Là, c'est la même chose. Ah, mais elle était à l'endroit où on pouvait capturer, je pense, l'autre. Je pense, hein. Sauf qu'on s'est fait jarter. Ouais. Oh, grand Tokoriko, c'est grâce à votre protection que ce Cosmog a pu devenir Lunala. Je me permets de parler en son nom pour vous remercier. Parle à une pierre, en fait. C'est à toi de jouer, Ophélie. Montre-lui ta gratitude à ta façon, celle du maître d'Alola. Je m'occupe de soigner tes Pokémon. Au fond. Ah oui, d'accord. Là, on va l'affronter, hein, c'est sûr. On le fait passer le long script, ok. Ouais. Vous effleurez la pierre. Si on avait le choix. Votre bracelet Z semble réagir. Une voix résonne dans votre tête. Oh. Eh frère, c'est moi. Oula, qu'est-ce que tu fais? C'est trop bien, ça me fait penser... Oula. Attends. Oh, ils discutent entre eux. Nous. On dirait qu'ils sont dans notre esprit, ou je sais pas. Ouais. Je pense que c'est ça. Sol Galeo, je suis heureux. Le temps est venu. Ouf. Ah oui, là, pas le temps du tout. Oh. Alors là, par contre, c'est cool. Mon préféré, donc. Wow. Tokoriko apparaît. Ah, il est trop stylé. Direct, il a pas le temps. D'accord, tout va bien. Oh, wow, la musique est sympa. Par contre, c'est ça qui me fait juste un petit peu, 50, petit peu peur. 60. Ouf. Et il a créé Elec. Oh là, la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'emballe. On dirait qu'il y a plein de voix qui parlent. Enfin, il y a plein de gens qui parlent. Du coup, tu as dit qu'il est électrique. Fée. Électrique fée. Électrique fée. On va faire avec la magique. Boule élec. T'as fait boule élec, toi? Ouais, et toi? Coup de jus, donc il m'a one shot mon truc, mais c'est pas grave. J'ai mis un midlife plus ou moins. Alors, j'ai pas envie de le tuer non plus, en fait. Je sais pas s'il est facile ou dur à capturer, en fait. Je sais pas, j'essaie de le mettre le plus bas possible. Après, il paraît que... Enfin, je pense pas qu'il paraît, je pense que c'est normal que si on le tue, on peut le récupérer plus tard. Mais moi, j'ai envie de l'avoir dans le script. Ouais, pareil. Et de manière sans Master Ball, si possible. Il refait hâte, très bien. Bon, là, je fais une attaque pas efficace. Avec quoi on pourrait le capturer, ce truc-là? Bah, on peut le capturer en râlant ici, je pense, tout simplement. Non, mais je veux dire, avec quel bol Ah ouais. Bon, je tente la poké. On aurait pu tenter la rapide dès le début, en fait. Ah oui, on aurait pu. Je sais pas, en fait, la plus belle, parce que selon ses couleurs... Bah la rapide était... Ouais, enfin... La plus belle... Ah, pire de la nature. C'est quoi, ça? Ça t'enlève moitié tes PV. Oh. Ah oui, ok. C'est son attaque signature. Allez, speedball. Tu peux rentrer. Ah oui, speedball, t'as raison. 2. J'essaye aussi. 3. Capturé du premier coup. Oh, bien joué. Autant j'ai galéré pour Sol Galeo, autant sur celui-ci, ça. Ah non, moi, il est sorti. Avec la speed? Ouais. Et puis ça fait deux fois hâte, je sais pas si ça accentue. Ouf. Non, je pense que c'est le truc de base. Oh, il est cool, regardez-moi ça. On va l'appeler Soupa. Hyper, elle est belle. Référence à... On s'oppose à sa Jean Dragon Ball TTC. Moi, j'aime bien renommer les Poké. Je le fais en fait depuis environ la... En fait, depuis que je fais mes vidéos YouTube, en fait. Avant, je renommais jamais mes Pokémon. Ouais. Pour moi, les légendaires.
Et depuis YouTube, je me suis dit, bah en fait, c'est cool de pouvoir donner, on va dire, de personnaliser les Pokémon. Mmh, de leur donner un petit nom. Et ça fait genre, il y a plus de liens, tu sais. Putain, il tourne même plus. Ouais, après, tourner ou pas, c'est juste une impression. C'est... Ouais, c'est sûr. Mais je l'ai pas mis dans le rouge, moi, j'ai pas réussi. Moi, je l'avais mis genre. Il restait un quart. Ah ouais, non, bah du coup, comme moi alors. Je vais utiliser la sombre bol. Mon avis, ça augmente aussi. On est dans un truc sombre là ? Je sais pas. Attends, on va voir. Non. Bon, sinon, ce qu'on va faire, écoute. On va le mettre KO. Ou tu mets. Ah oui. Ouais, on le met KO, c'est pas grave, tant pis. Alors toi tu mets KO, ok. Et je le recapturerai une prochaine fois. Oh, s'ils disent la même chose du coup. Ah ouais, on va voir, tiens. Alors. Ouais, non, il est encore là de toute façon. Ah non, attends, il disparaît. Ah oui, mais toi aussi, il a dû disparaître. Oui, après il y a le Crystal Z. Ah donc. Attends, il reste aucune trace de Tocorico. Un cristal Z tombe à vos pieds peut-être ou pas. Il y a des trucs qui se passent. Ah oui, ouais. Donc ça. Un cristal Z tombe à vos pieds. Une tocozélite. Tocozélite. Très bien. Okay. Donc, du coup, vous aurez la visu de quand. Alors, vous découvrirez si on peut le recapturer avec Gabi. Voilà, c'est ça. Tocorico a peut-être perdu contre toi, mais il semblait ravi de ce combat. À toi, c'est... ça disait quoi? Ah non, ouais, Tocorico, je jure de toujours essayer de me surpasser avec Pyrux. Ah ok, bah, il sait que tu l'as capturé. D'avoir eu l'occasion de le remercier. Quelque chose me dit que ce n'est pas le dernier que vous disputerez. Ah, ça montre qu'on peut le revoir. Oui, voilà. Je suis bien contente d'avoir eu l'occasion de le remercier. Ophélie, viens, retournons sur la place du village. Si nous tardons trop, tout le monde va réaliser qu'on s'est éclipsé de la fête. Ah mais oui, du coup on va. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais coupé un peu le passage. Ouais. Tout le passage de capture parce que je l'ai pas capturé du coup. Voilà. Ouais. Oh mon chéri. Tout le monde s'amuse tellement, je crois que personne n'a remarqué notre départ. Oh, on dirait qu'une bataille royale va avoir lieu. Oh, oh non. Il est là, l'homme masqué. En fait, Royal Mask, c'était genre le maître de la ligue. Ouais. Ah ouais, le bordel en plus. Tous les doyens et tout, oh là là. Oh, c'est combat de doyens. Avec son miaouz. Il respecte rien. Trop drôle, Royal Mask, c'est euphorbe. Ah, c'est trop cool, ça fait un effet famille, je trouve, c'est cool. Ouais. Elle est trop sympa, elle. Enfin, elle est trop... J'aime bien. Ah. Genre, on sait jamais si on avait oublié, tu sais. Ils te remettent... C'est ça, ouais. Euphorbe. Ou alors, pour, ouais, ou pour dire aussi à Paprenel qu'elle l'a connue peut-être comme ça, elle. Elle l'a connue en mode... Ah ouais, ça, on sait pas. Enfin, on sait pas. Elle l'a connu en mode Ophorb et il est aussi ça, donc ça l'a fait marrer. Ça, son chéri. Donc on a un professeur qui est maître de la ligue, enfin qui était, et qui était professeur, qui avait une femme. Et ils m'ont pris les enfants et s'est fait escorter. Ah bah t'es un petit. C'est un petit de Ophorb. C'est mini Ophorb. Ah ok, oui, voilà, on fait le petit. Ah bah il est fatigué. Eh oui. Bon, tu te fais soigner par les deux là. Il rigole H24 hein, ici. Ouais. Quelle fête formidable! Tout le monde est tellement heureux! Ophélie, j'espère que tu ne changeras jamais et que tu garderas toujours le sourire. Tu as apporté tellement de bonheur autour de toi. Ah, musique est belle. Ouais. Si ma mère avait pu être là, je suis certaine qu'elle aurait le sourire, elle aussi. Au fait, je t'ai pas dit? Son état de santé s'est détérioré. Non, je rigole. S'est amélioré. Ouais, je lui dis. Elle voulait même venir à la fête. J'ai dû la forcer à rester au lit. C'est pour son bien. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je sais ce qu'il me reste à faire à présent. Un bisou. Ophélie, je... Elle voulait nous embrasser, c'est sûr et certain. Je te dis qu'elle voulait me pécho, cette cochonne. Moi aussi, elle voulait me pécho. Il y a pas de soucis, tout est possible, hétéro ou pas, il y a pas de soucis les gars. Moi, je pense qu'elle Pokémon, est bisexuelle, je pense. Ouais, voilà. Exactement, mais c'est beau le message qu'il fait passer Pokémon. Il faut être comme ça, genre faut pas avoir de différence. Ouais, voilà, faut pas. À ce niveau-là, c'est bien, ça fait un pas en avant, tu vois. Ouais. On dit souvent les Japonais sont un peu en arrière à ce niveau-là, là,
finalement, ils sont bien mis. Ah non, Pokémon, ça va, franchement, souvent... Oula. Battez ça un peu, tout le monde est à fond. Il fallait bien ça pour fêter l'avènement du meilleur dresseur d'Alola. Bah moi, je vais m'entraîner à fond, pardon, avec Alteo, et je mettrai la pâte à papé. Et après, j'affronterai le maître. Prépare-toi, Ophélie. Oh, XDR, XD. Pire que ça. Non. Oups, pardon, je veux dire maître. Eh oui, Yataro. Sors un peu tes associés, que tout le monde puisse les voir. Et ouais, ceux qui étaient à tes côtés pendant tout le tour des îles, qui t'ont accompagné dans toutes tes épreuves. Oui, sors-les. Ah, y'en a qu'une là, qui est contente. Ouais, les autres, bon, vas-y, on les connaît. Vas-y, si on les sort, ce serait cool. Ils auraient dû faire les codages pour toi. Ouais. Oh, tu es vraiment rayonnante de bonheur, ma chérie. I am the... Oh oui, ils le font. Oula. On voit pas, on dirait que c'est censuré. Ouais, c'est... Oh, c'est un truc, genre... oh, attention. Oh. Attention. Qu'est-ce qu'elle a sorti là? Et toi, qu'est-ce qu'il a sorti? On va être un petit moins 18 dans le titre quand même. Pokémon Lune, ouais. Voilà, Pokémon Soleil. Et bah, dis donc. Alors, attends, voilà. Ouais, il faut appuyer. Présenté par Game Freak. Puis. C'est ainsi que le tour des îles d'Ophélie prit fin. La fête de célébration du nouveau maître se poursuivit tard dans la nuit. On a fait chaud, même, c'est sûr. Tout le monde s'est bien amusé et j'ai été heureuse de retrouver tout le monde. Hein? Les rencontres que j'ai faites à Alola... Ah, c'est nous qui parlons, d'accord. Que j'ai faites à Alola sont... Elles seront toujours, pour toujours dans mon cœur. Oh, c'est trop chou. Le lendemain. Mamma mia. Vas-y, Pyrux. Je me demande bien quelle belle surprise m'attendait maintenant. Mais non, encore ah. Lui. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tiens, ça. Oh. C'est sûrement le bras professeur. Tu veux bien aller voir, Pérez? Vas-y, fais le chat. Mia! Il est revenu. Oh, il y a moyen de genre temporiser? Non? Ok, d'accord. Oh, encore lui, arrête de rentrer chez moi. Je veux un combat! Ouais, c'est. Oh, Penny. C'est terrible! C'est méga grave! C'est la Shigakata! Ah. Oui, il est chimère, peut-être. Ah. Tenez, tout calme, respire, qu'est-ce qui te va pas? Ah pardon, c'est moi. Ah salut madame, la forme. Ah, c'est compliqué, je vous raconterai, mais là, il faut que j'embarque Ophélie. Si on se coupe pas, le bateau va s'en aller. Ah. Vas-y, combat un petit peu, ou je sais pas. Ah, peut-être. Et du coup, c'était le dernier bateau d'aujourd'hui, ou je sais pas. On est en retard, ou je sais pas quoi. Ah non, on peut pas. On peut pas, Gagnus. Pour l'instant, ce sera un épisode long. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, est-ce qu'il pourrait nous dire, genre, donner notre avis, genre... Est-ce que... Oh. Non. Lily, tu sais que quand toi c'est quasiment à l'autre bout du monde, ça va être un long voyage. Oh my god, essaie de piquer un somme, sinon bonjour de quel genre, hein. Mais non. Non. Et pour Paprenelle, que j'aime du fond du cœur, j'essaie de la convaincre de venir, mais rien à faire. Les femmes toujours comme ça. Les adieux, c'est vraiment pas son truc. Ah, c'est lui qui part. Je sais non. Que c'est pas très cool de sa part, mais j'espère que tu lui pardonneras. En tout cas, non, elle voulait pas venir, Paprenelle. En tout cas, elle m'a chargé de te dire que tu pouvais revenir quand tu veux. Ouais, c'est Lily qui part. Ah, c'est Lily. La mezzanine du labo est à toi. Et nous, du coup, on voulait saluer, je pense, Lily avant qu'elle parte. Ah oui. Je la prête à vie, tranquille. Mais non, pourquoi elle part? C'est ma copine en plus. D'où elle part comme ça, là? Lily, pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi la raconte? C'est quoi cette histoire, là? Tu préfères Red, c'est ça? On fout rien. Vas-y, fais la fille. Je suis désolé, Tilly. Je dois tout faire pour soigner ma mère. Ah. Je me le suis promis à moi-même. C'est pour cela que je dois partir pour la région de Kanto. Qui est comme soigneuse là-bas? Ça me fend le cœur de devoir quitter Alola. Peut-être l'infirmière Joël avec le Vénard. Ah oui. Mais d'un autre côté, je suis très impatiente de découvrir Kanto. Mais pourquoi la Kanto? Pourquoi? Je comprends pas. Ah, Nix, c'est juste peut-être plus logique. Bah, je vais vivre la vie. Mais enfin, pourquoi elle doit soigner sa mère en allant là-bas? Parce que peut-être que là-bas, c'est genre. Plus montagneux, peut-être plus lointain, et ça fait genre plus air frais, c'est genre. C'est comme quand t'as des problèmes de respiration, tu vas partir. Ah ouais. Je vais vivre la vie. Ouais, pourtant il y a beaucoup de villes, hein, mais bon. Oui, je vais vivre la vie de dresseuse et rencontrer tout un tas de Pokémon inconnus. D'une certaine façon, ce sera mon tour des îles à moi. Ouais. Ne vous en faites pas pour moi, tout ira bien quoi qu'il arrive. Ophélie, Tilly et tous les autres, on m'avait appris à garder le sourire face à l'adversité. Ah, pour ça, je vous remercie. Ouais. Je sais qu'on se reverra un jour, tôt ou tard, je reviendrai à Alola.
Mais, j'ai encore tellement de choses à te dire. Bah, tant pis. Je t'écrirai une lettre, elle fera 10 pages, non 100. J'ai hâte de lire ça. Tilly, j'ai un cadeau pour toi, en souvenir des moments qu'on a passés ensemble. Un panic bag, tu vois, à nous. Ah ouais, nous, c'est sûr. Alors, tu nous fais pas une bague. Elle va se mettre à genoux, attends. Et pour toi aussi, Ophélie. Elle est un peu abîmée, mais elle a une grande valeur à mes yeux. Oh, bobo. Ah, frère. Oh, Poké Poupée. Poké Poupée. Elle a un conto. Ah oui, on l'a vu en plus sur son lit, non? Ah oui, exact, il y avait une poupée. Enfin, une... Bien, je suppose que le moment est venu de nous séparer. Je sais pas trop quoi dire dans ces moments-là. Je vais juste vous dire merci. Merci du fond du cœur, et à bientôt, j'espère. Il y a pas une petite fille, justement, qui était avec sa mère et qui cherchait une Poké Poupée, donc on... Oui, oui, tout à fait. Et non, ça, c'était dans... Oui, mais il me semble que c'était dans Or Argent pour avoir le trans... Le... Comment on appelle ça? Le train, là. Tu vois? Ah oui. Il faut aller faire ça, il me semble, pour débloquer le train ou un truc du genre. Pour aller à Kanto. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Waouh. Au revoir, Lily. Non, alors ça me fend le cœur. On est sur le point de faire des petits bisous et tout. Mais non. Eh ben, dis donc, en tout cas. Il est posé sur le truc. Tilly, regarde, il vole. Ah ouais. Et on dit qu'il l'évite, tu sais, genre en tailleur. Oh là là, Tilly, c'est le gros chagrin, ce que je vois. Mais, dis-toi que ce n'est jamais qu'un au revoir. Et puis, quitte à dire au revoir à une personne qui t'est chère, autant lui offrir ton plus beau sourire, tu ne crois pas? Je vais essayer, mais c'est pas facile. Ouais, je veux mon papé. Allez, rentre à la maison. Allons retrouver celles et ceux qui comptent pour nous. Allons retrouver nos familles. Eh oui. Oui. Et ouais, c'était toujours la même. Nouvelle fête, et hop, c'est Revalotte. Ah ouais? Oh, non, c'est la fin, là, non? Ah non, attends. Ah oui, c'est Director vrai. Shigeru Omori. Et voilà, c'est ainsi que s'achève provisoirement cette série. Effectivement. Évidemment. Beaucoup d'émotions, hein. Surtout la fin du jeu. La fin du jeu est très très bien. D'ailleurs, le début à la fin, c'est très bien fait. Hein. Ouais. Au niveau du scénario, ils ont très bien scénarisé les jeux de caméra, les effets qu'ils ont pu à rajouter par rapport à ce qu'il y avait sur XY, qui était déjà pas mal. Là, ah oui, mais ça, ils sont améliorés. Hein. Ils ont vraiment fait un truc de fou. Franchement, j'étais content de jouer à ce jeu en tout cas. La difficulté était là, elle était pas impossible. Hein. Elle était là, elle était présente. C'était pas. Ouais. Voilà, c'était bien ce qu'il fallait pour en tout cas découvrir. C'est ça, ça change énormément. Hein. Ils ont vraiment voulu enlever enfin, oublier nos habitudes en fait, avec les arènes, avec. Voilà, on fait les arènes, on fait la ligue. Non, on va se donner la liberté d'aller sur une île, et puis disons que là-bas, les choses se font autrement. Quoi. Et c'est pas plus mal, hein. Ouais. Ce choix. Ça change, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ouais. Et limite, on sera content peut-être quand ça va revenir en mode ligue, enfin en mode arène, on va dire ah bah ça fait longtemps, tiens, bah c'est cool. Ouais. C'est cool, très cool. Et du coup, là, des petites photos. Et voilà, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer? Genre, on pourrait dire déjà notre avis, enfin, ce qu'on a pensé. Déjà, du concept qu'on a ajouté. Alors, le concept, oui, parlons-en un petit peu. Bon, sur la fin, on l'a plus fait parce qu'on avait capturé donc, ceux qui nous avaient maudits, hein, donc les dieux. Mais. Déjà, comment ça nous est venu cette idée concrètement? Ça nous est venu dans le sens où on voulait faire quelque chose d'original pour une fois. En plus du fait de le faire à deux. Voilà. À ce niveau-là, on a réussi notre truc. C'est-à-dire que c'est original. On a fait un let's play original, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des choses qu'on aurait pu changer ou mieux faire, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, au début, bon, dans notre tête, c'était évident. Les idées, tout ça, on s'est dit ça va être bien. On a pensé à quand même pas mal de cas particuliers au niveau des cartes et tout. Mais au fur et à mesure qu'on jouait, en fait, on s'est rendu compte que... tout simple, perdre un Pokémon... Bah, ça rajoutait un truc qui nous faisait un peu perdre ce côté découverte, côté aventure. Et du coup, bah, on l'a ressenti un petit peu dans vos commentaires. Nous aussi, on l'a ressenti. Surtout au début, en fait. Au début, vous n'avez pas... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas accepté, mais vous aviez peur, en fait, pour nous. Ça se voyait. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, au début, bon, ça allait. Et après, par la suite, il y a des moments où moi-même, je le dis honnêtement, j'ai craqué. J'ai dit à Pyrux, j'en peux plus de ce défi. Viens, on revient normal. Mais on a décidé de faire ça comme ça du début
et jusqu'au légendaire, du coup. On a continué comme ça parce qu'on a décidé comme ça. Mais cependant, on avait donc des cartes de toute façon qui nous permettaient, comme vous avez vu, de pouvoir revenir, ressusciter des Pokémon, etc. Donc c'était vraiment fait. C'était en fait un concept qui était là pour pas nous saquer, quoi. C'était pas d'un Nuzlocke pur. Sinon, on serait mort déjà. Hein. Ouais, non, vraiment, voilà. Un Nuzlocke, mais remodifié de manière découverte. C'est un Nuzlocke découverte, en fait, si vous voulez. Du coup, sachez que ça nous a pas enlevé notre découverte. Non, moi, à chaque tout. Fois, dans les zones, j'étais tout content. Les combats, en fait, le fait, justement, qu'on soit un petit peu, on va dire, stressé dans le sens où on ne doit pas perdre notre Pokémon, bah, on se concentrait plus. On voulait pas faire d'erreur, et du coup, on se concentrait sur les Pokémon qu'on avait en face, leur type, etc., au lieu de jouer de manière random, sans vraiment faire, enfin, voir ce qu'on fait. Puis après, je trouvais que ça aurait perdu un petit peu aussi de combativité, vous voyez le truc. Là, il y a un petit peu de stress, je trouve que c'est aussi ce qui peut rendre intéressant. En fait, on a essayé de trouver un juste milieu qu'on a trouvé au fil des épisodes, au final. Voilà, c'est ça, on a un peu modifié, style le truc au niveau de la première grande épreuve. On s'est dit, bah là, on peut pas, on a peur d'en perdre pendant les épreuves. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai perdu une épreuve et tout. Du coup, on a dit, bon, bah allez, la voix, c'était Didi Chandouidoui, hein, certains l'ont reconnu. Ouais. Et du coup, on a dit, bah est-ce que tu peux rentrer, en fait, comme si c'était un petit peu scénarisé, le dieu rentre et fait une apparition pour essayer de changer un petit peu les règles, de les modifier. On l'a fait qu'une fois, pour pas abuser, évidemment. Ouais. Et voilà. Sinon, après, pour revenir au jeu lui-même, bon, on a fait l'éloge hein, durant toute l'aventure, je pense. Ouais. Mais comme on disait déjà, c'est vrai que ça change énormément. On a eu peur au début aussi. Hein. On était en mode, est-ce que ça va vraiment être bien sans arène? Enfin, parce que pour nous, c'était une certaine base qu'on avait. Et que du coup, on avait peur, on avait ce recul sur ça. Et finalement, au moment en fait où justement j'ai eu peur que ça devenait beaucoup trop mou, au final, c'est revenu en fait avec la Fondation Aether, très intéressant. Tu sais, au moment où il y avait les trois, dans l'île d'Akala, là, c'était beaucoup très répétitif. Ouais. Battre les trois, etc. Je me suis dit, oula, si ça c'est comme ça tout le long jusqu'à la fin, c'est relou. Et au final, hop, ils nous mettent la Fondation Aether avec les deux teams qui finalement sont méchantes, mais finalement pas, parce que c'est juste une qui a pété un câble et finalement elle est revenue gentille. Ce qui est assez rare, d'habitude les méchants restent méchants. Là c'est intéressant, c'est que le méchant, enfin, la méchante, est redevenue gentille au final. En plus c'était la mère d'une de nos potes, enfin c'était quand même assez abusé je trouve le truc. Après ouais. Voilà, après bah que dire, on va continuer l'aventure, c'est sûr, je pense qu'on refera des duos. Ouais. On essaiera de voir, parce que c'est quand même notre marque de fabrique. Et puis on fera des épisodes solo. Il y a plein de choses à faire après la ligue. J'ai vu un petit peu, t'as dû voir aussi, depuis qu'on a capturé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si à un moment on se dit, ah bah tiens, ça serait bien de le faire à deux, bah hop, on se contacte et puis on fait le truc à deux. C'est ça. Voilà, donc restez sur la chaîne, il y aura encore plein de nouvelles vidéos, des matchs hein, de nos deux côtés. Ouais. Enfin bref, plein de choses sur ces jeux-là. Et puis. C'est parti pour 2 ans. Hein. Encore pour 2 ans, ouais. Ouais. Et avant d'avoir un nouveau jeu, un nouveau remake ou je ne sais pas quoi, je partirai plus sur le remake avec tous les petits clins d'œil qu'on a eu tout le long de l'aventure. Le thème d'ailleurs de Sun and Moon, hein, qui est très très proche, je trouve, que des futurs remixes. Ça serait peut-être plus logique. Après, ils peuvent nous réserver des surprises comme ils l'ont fait avec Sun and Moon, donc on peut très bien imaginer revenir peut-être à Kalos. Et oui. Sait. Parce que du coup, là, on a plusieurs voies. On a soit on revient en mode remix. Soit on revient à Kalos, soit on revient autre part. On ne sait pas. Soit on revient pas du tout. Et voilà, bon, on espère que vous avez apprécié aussi. On vous a pas remercié, mais on vous remercie quand même énormément d'avoir été fidèles jusqu'au bout, si vous êtes là encore. Beaucoup de soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux, des messages en mail, j'en recevais plein. On me disait que c'était vraiment le let's play le plus original. Et ça me fait plaisir parce que c'était vraiment le but en fait premier, c'est qu'il soit original, qu'il soit le mieux fait possible et que ça vous a plu pour certains. C'est vrai qu'au début certains n'étaient pas très très chauds et au final ils restent, tu vois, ils continuent à regarder. Ça veut dire qu'au final vous avez peut-être été conquis quand même. Et du coup c'est cool de voir ça, quoi, malgré tout. Même si ça vous plaît pas au début, vous dites bon, ils ont essayé de faire un truc original, on va quand même rester, c'est pas grave, hein. Et je trouve ça très mature de votre part, donc c'est cool. Ouais. En tout cas pour la majorité, merci beaucoup en tout cas. Donc là, on est en mode espagnol et il met toutes les langues. Spanish editing. Korean translation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore avant de terminer? Oui, juste un regret. On l'a pas battu, la meuf de type fée. Ah non, je pense qu'on l'a bat après. Tu
tu penses? Okay. Ouais, j'ai cru entrevoir des images. D'accord. Alors, je pense qu'on va la battre. J'aurais aimé peut-être la battre avant, mais après, bon, si elle veut pas, pas de soucis. Mais... Ouais, enfin... mais vous voulez pas de soucis, on va pas la forcer. Hein. Juste mais il y a aussi. Elle trouvait vraiment mystérieuse en fait, et elle m'interpellait, je crois. Ouais. Bon, non, on le fera. Ah oui, il y avait aussi un truc qui nous avait été demandé de faire un combat tous les deux. Ouais. Du coup, bah, c'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. On va faire avec Team de l'Aventure. Vidéo, voilà, avec Team de l'Aventure pour clore la série provisoirement. Ouais, on peut faire ça, tiens. Bonne idée. Très bonne idée, les gars. Voilà. Bon, bah, du coup, je pense que ça va se terminer là. Ouais. Technical support. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas, je pense que oui, on arrive à la fin. Ouais. Il parle des serveurs et tout, on se parlait des langues, ça. Beaucoup de gens à remercier quand même. Le Global Link, ah oui. Inscrivez-vous hein, si vous voulez participer au tournoi. Ouais, sur, tu veux y participer toi d'ailleurs Moi je me suis inscrit en tout cas. Ouais. Maintenant bah, j'attends les trucs qui vont pop. Je crois pas qu'il y a des tournois pour l'instant. Il y avait juste une quête à une quête. Oui, il y a la mini quête là, 200 millions. Ouais. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, faudrait que je vole. Je sais pas trop. Enfin, si, la quête en fait c'est tout le monde doit capturer des Pokémon jusqu'au 12 décembre. Ah. Et en gros, bah après il faut que ça fasse 100 millions en tout. Donc c'est assez ambitieux, je trouve, parce qu'ils ont commencé il y a pas longtemps, jusqu'au 12 décembre il reste 6 jours. Enfin, pour vous, ouais, un peu moins. Mais c'est bien qu'ils fassent ça parce que c'est sur ça motive. Hein. Quête, ça motive à et ça nous... Voilà, et ça nous rassemble aussi, tu vois. C'est ouais. Pour dire, bah, allez, tout le monde, tous les fans, on va capturer le plus de Pokémon pour atteindre cet objectif et avoir des festipièces. Ça. En cadeau, même si on n'arrive pas à l'objectif, on aura quand même des festipièces. Ben, un peu moins. Ah, ça sent la fin. Festing, ouais. Quality, allez hop, les gars. Et les dessins derrière, c'est sympa, hein. Ouais. À mon avis, c'est. Encore les Chinois qui testent. Ouais, du coup, c'est des vauriens. Ah oui, ça c'est. Ouais, mais on dirait des skulls. C'est vrai qu'on les avait confondus. Ah, Sylvalier. Ah oui, oh là là. Il faut qu'on. Il a une langue, ouais. Je sais pas. Non. Il a mis une langue. Il est trop mignon. Cette photo, elle est trop chou. Ouais. Gladio, c'est pour moi, comme je l'ai dit dans l'épisode où j'ai fait le solo, ouais. Pour moi c'est lui le véritable rival de l'aventure et ouais. Que je considère comme un des meilleurs rivaux qu'on a eu. C'est tu vrai. Ça fait un peu comme N aussi, un petit peu, tu vois, dans la 5G. C'est vrai. N était aussi quand même bien stylé. Hein. Il est bien stylé, mais il était dès le départ, on le sentait qu'il était plus du côté pas méchant, bah. Tu vois. Lui, au début, on savait pas pourquoi il était méchant contre nous. Et après, au final, en fait. Oui. C'est avéré que non en fait. Mais l'autre aussi était pas si. Enfin, il était après, pas méchant en soi. Aussi, c'est juste qu'il avait une idée en fait en tête. Ouais. Et il voulait voilà, libérer les Pokémon des dresseurs. Ouais, c'est dur. Avec le Rocabo. Je trouve que c'est un super couple. Ouais, franchement. C'est rare qu'on a des couples comme ça dans Pokémon maintenant que j'y pense, non? Bah, pour les professeurs, ouais. Ça, c'est clair. Après, les vrai... couples comme ça en vrai, il n'y en a pas des masses. Il y a qui je... À part Shen et Agathe, mais bon, c'était des anciennes. Ouais, c'est des copains copines. Ex. Ouais. Moi, je vois pas. Et là, moi, quand j'ai vu sa femme, je me suis dit, putain, mais c'est génial, quoi. Qu'il l'ait rajouté comme ça. Ouais. Ouais, ça doit être fini, là. Développé par Game Freak. Oh, trop mignon. Oh. Offre au monde ton plus beau sourire. Toi, c'est avec Solgaleo, j'imagine. Ouais, c'est trop beau que Solgaleo aussi. Ah ouais, je pense. Ce sourire, source de bien des rencontres. Les rencontres, promesses d'un avenir radieux. Quel bonheur de tous vous avoir rencontrés. C'est lui qui parle, tu crois, Solgaleo? Ah, je pense. Mais ah surtout, quel bonheur de t'avoir rencontré. Ah, c'est Lily. Ah oui. C'est des deux voisins. Ils sont reliés. Oui, hein. Avec Cosmog, ouais. Ils sont un peu reliés. Pokémon de lune. Ah, génial. Waouh. Très très belle fin. Très très belle fin. J'ai beaucoup aimé. Mon dieu. Ah, ça, c'est ce qu'il y avait au début des jeux avant. Ouais. C'est ouf. Ah. Nintendo, The Pokémon Company. Waouh. Eh bien, je pense qu'on va se quitter là. Pas que ça sauvegarde. Hein. Je pense que oui. Voilà, c'est la vraie fin. Si vous êtes allé jusqu'au bout, bah félicitations. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs. Tiens, on va dire une petite phrase. Attends. Écrivez Alola, Pyrux et Gallius. Voilà. À la prochaine. Alola. Alola, Pyrux. Ouais, Alola, Pyrux et Gallius. À la prochaine. Voilà. Fin. Si vous dites ça, c'est que vous avez lu jusqu'à la fin. Vous avez vu jusqu'à la fin. Nous, bah, moi, je m'arrête là-dessus. Hein. Genre, c'est bien là. Ça va être comme ça.
Ouais, pareil. Bon, bah écoutez. Ciao, ciao à tous. À la prochaine, hein, pour notre vidéo. Ciao, ciao. Merci, ciao.